Cette vidéo a été filmée depuis l'intérieur d'un véhicule du service de contre-terrorisme des forces irakiennes à Mossoul. On y assiste en direct à l'explosion d'une voiture piégée. La scène, rendue publique par une télévision irakienne, se serait déroulée cette semaine dans un quartier de l'ouest de la ville. Le conducteur du bulldozer a ensuite donné une interview. Il a expliqué avoir bloqué le passage au véhicule piégé avant que celui-ci n'explose. Dans le même temps, les Irakiens fuient toujours plus nombreux la partie occidentale de Mossoul, ravagée par les combats. Depuis mi-février, il serait environ un demi-million à avoir abandonné leur foyer.